sur les lits avec ses affaires où elle aille. Coucou, bienvenue dans une nouvelle journée avec nous. Donc là ça y est, Thibaut est parti, il est parti faire du ski. Nous avec Liana du coup on a pris un peu plus notre temps, on va aller déjeuner toutes les deux. Et puis après on ira à la piscine ensemble et après on va faire le reste de la journée et on fera les valises. C'est le dernier jour aujourd'hui qu'on est ici. Donc voilà, je vous emmène avec nous, on va déjeuner, c'est parti. Comme je vous le disais, nous avec Thibaut on adore le ski, mais genre on adore ça. Et c'est vrai que depuis 2016, bah du coup on n'aura pas refait puisqu'à chaque fois qu'on va au ski on est tous les trois. Et donc du coup bah on peut pas laisser bébé comme ça. Donc du coup bon bah c'est Thibaut qui y va, moi j'y vais pas toute seule. J'ai du mal à me repérer chez moi. Alors imaginez sur des pistes de ski où tout se ressemble et où je ne connaîtrais pas mon chemin quoi. Voilà. Petit déj du dernier jour. Voilà. De quoi? J'ai pas compris moi. Bidou, tu vas aller où? À la piscine. Oui, on va à la piscine. C'est parti pour la piscine, Bidou m'attend. Il est presque 11h, donc voilà, comme ça on remonte, elle va manger. Je vais faire les valises et après on ira en voiture faire dodo. Ah si. Allez, go! Une piscine! Piscine! Je t'aime. Bon bah ça y est, c'est le moment de partir. Et je suis dégoûtée quand je vois le menu de ce soir. Ça y est, c'est le départ, je suis deg. Il était vraiment bien cet hôtel, en plus de ça c'était vraiment reposant. J'avais l'impression qu'on avait des journées à rallonge, c'était tellement agréable. Bon allez c'est parti maintenant, c'est 4 heures à rallonge de route et on rentre à la maison. Thibaut je crois qu'il est en train de me dire qu'il faut qu'on s'arrête parce qu'il va avoir faim vu qu'il a fait du ski. Donc voilà, moi j'ai hâte de rentrer et j'irai faire mon petit sport, voilà. C'est parti, cette fois je monte avec Liana derrière parce que au moins s'il y a un souci je peux le gérer. Allez mange donc ton pancake, sinon tu le veux pas, donne à papa. Tiens. Bon, je vais me mettre au sport, il est 7h30, on est rentré depuis 5h30, la transition est folle. Et en fait, je désespère, il faut absolument que je fasse un dressing, un tri dans mon dressing, c'est pas possible. Thibaut, il s'en sort plus avec mes rangements, enfin dans le sens où je prends beaucoup trop de place et lui, il a plus rien le pauvre. Donc ça me désespère pour lui, donc il faut vraiment que je trouve une solution. Je vais essayer de trouver une solution en faisant mon sport. Hein. Je vais essayer de me mettre en tête comment je pourrais faire. Bon, allez, au sport. Bon du coup, l'hôtel nous a donné envie de faire des soupes, alors on fait des soupes, voilà. Alors c'est bon Bibou? T'en mets un peu partout là quand même, faudrait que tu rapproches. Voilà. Il est horrible, je lui avais coupé du fromage, il lui a mangé, il y en a d'un coup elle a ri, genre ah, c'était drôle ce que tu viens de faire, et là elle s'est dit, mais non, non c'était à moi, c'était pour moi le bout de fromage. C'est pas cool. Ça va qu'elle est sympa cette enfant. Hein. Vas-y. On est en train de manger tout ton yaourt là. Par contre quand papa on part en vacances, il oublie les bonnes habitudes. Il aurait pas oublié de mettre ton petit yaourt plaisir dans un petit gobelet. C'est papa qui l'a préparé, il l'a mis dans un ancien gobelet. C'est le petit plaisir de Liana. Je rêve. Il était trop loin. Elle s'est levée les petites fesses tout cul nues là. Elle est partie chercher pour la voir en face d'elle. On a des bananes en fin de vie. Je vais faire une petite recette là. Allez, vite fait, bien fait. 6 bananes, 4 œufs et 250 g de crème fraîche comme ça. 60 g de farine de sarrasin et 11 g de levure. De sucre, pas 1 g de sucre, pas 1 g de sucre, que de la banane. Donc j'ai mis la moitié ici et donc le reste je vais mettre du cacao et comme ça, ça va faire une sorte de marbré, j'arrive mon cœur. J'ai simplement versé dedans, on peut tourner un peu comme ça si on a envie. Et ce sera tout, voilà, ça va nous donner notre gâteau.